Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place rapidement pour qu'on puisse débuter le panel et respecter les temps qui nous sont impartis. Bonjour tout le monde, je me présente, Jean-Bernard Trudeau, médecin de famille. Pendant 40 ans, j'ai eu le privilège de travailler 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, aussi comme gestionnaire, et 10 ans au Collège des médecins, notamment comme directeur général adjoint, mais surtout responsable des relations avec les ordres professionnels en santé, principalement, et services sociaux, donc c'est 28 ordres professionnels. Fait que ça me fait un grand plaisir aujourd'hui d'être ici pour animer le panel qui s'intitule « Professionnels de la santé de la première ligne, nouveaux rôles et collaboration interdisciplinaire ». Juste vous rappeler le petit synopsis qui vous était présenté. On parle de décloisonnement des professions. Nous autres, on n'aime pas tellement ce terme-là, même s'il est utilisé par le ministre dans les médias dernièrement. On aime mieux parler d'élargissement des pratiques professionnelles, qui est aujourd'hui au cœur de la transformation de notre réseau de la santé de première ligne. Vous l'entendez, vous l'avez entendu ce matin, on l'entend de plus en plus. On parle maintenant d'équipe de première ligne. À chaque année, des changements s'opèrent et de nouveaux rôles, responsabilités et actes réservés et autorisés sont confiés aux différents professionnels de la santé, le tout dans un contexte de collaboration interdisciplinaire. Certains de ces changements sont méconnus et méritent que nous en parlions. Rendre visible l'invisible, comme vous verrez. Ce panel vous permettra de découvrir la valeur et les opportunités d'une collaboration plus étroite avec certains professionnels, dont aujourd'hui les diététistes nutritionnistes, les optométrices, les physiothérapeutes, les technologues en physiothérapie et les inhalothérapeutes. Donc, je vais inviter nos panélistes à se joindre à moi dans l'ordre de présentation des interventions qu'ils vont faire. Donc, j'invite Madame Manon Dufresne, présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, à se joindre à moi sur la scène. Une belle main d'applaudissements. Madame Joëlle Aymon, présidente, nouvelle présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Monsieur Éric Poulin, président de l'Ordre des optométrices du Québec. Et le dernier, non le moindre, monsieur Jocelyn Vachon, président de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Bonjour. Donc, l'atelier, de la façon dont ça va se dérouler, il va avoir deux blocs. Un premier bloc qu'on a intitulé « Reconnaître le visible et l'invisible ». Essentiellement, ce bloc vise pour chaque panéliste à faire valoir les compétences actuelles et disponibles de sa profession ou ses professions, souvent sous-utilisées, souvent méconnues, en collaboration avec les autres professionnels en première ligne. Et d'avoir joué le rôle que j'ai joué au Collège des médecins m'a permis justement, en rencontrant ces différentes professions-là, de prendre le temps de mieux les connaître pour mieux les reconnaître et voir les possibilités qu'ils peuvent nous offrir. C'est ce qu'on va voir aussi ensemble aujourd'hui. Par la suite, il va y avoir une courte interaction de 8 minutes. Ils vont avoir chacun 4 minutes pour présenter dans le premier bloc. Et dans le deuxième bloc, ils vont avoir chacun 5 minutes. « Rendre le futur présent », qu'on l'a intitulé. Ce bloc vise, pour chaque panéliste, à faire valoir le potentiel de possibilités qui restent actualisées, voire en devenir, au sein des professions ou des professions, dans le déploiement des compétences, en collaboration avec les autres professionnels, toujours en première ligne. Une petite interaction encore entre eux, et par la suite, on va pouvoir recevoir les questions de la salle avant d'aller vers une courte finale. Donc, commençons avec le premier bloc, qui devrait normalement se retrouver à l'avant-scène. Donc, le premier bloc, c'est rendre visible l'invisible. Ça va apparaître à un moment donné. C'est ça. Ça, c'est le deuxième bloc. Il faut qu'on aille le premier bloc. À moins que vous voulez commencer. OK, bon, parfait. Reconnaître le visible et l'invisible. Reconnaître le visible et l'invisible. Bon, on y va. Donc, on débute. 5 minutes. Avec Manon. Parfait, merci beaucoup. Alors, bon matin tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bien entendu, je vais vous parler de la physiothérapie. La physiothérapie, on encadre deux titres professionnels, le technologue en physiothérapie qui a une formation collégiale, ainsi que le physiothérapeute qui a une formation universitaire de niveau maîtrise. Chacun de nos professionnels œuvre dans différentes sphères d'activité avec un champ d'exercice qui est assez vaste. Je vais dire qu'il couvre d'ailleurs 5 systèmes du corps humain, neuro-musculo-squelettique,
cardio-respiratoire ainsi que vasculaire. Alors, c'est quand même une grande surface du corps humain. Nos professionnels se retrouvent dans des milieux dont les plus connus sont notamment les hôpitaux, les cliniques privées, de même que les centres de réadaptation. Mais de plus en plus, on voit nos professionnels œuvrer en première ligne dans des secteurs comme les urgences, les GMF, les cliniques externes. Tout ça favorise bien sûr le désengorgement de ces secteurs névralgiques du réseau de la santé et des services sociaux. On œuvre également en clinique externe, en clinique de spécialité plutôt, ainsi que dans des cliniques COVID longues qu'on a vu apparaître, bien entendu, après la COVID. Dans les activités de réadaptation qui sont les plus connues en physiothérapie, bon, on sait les accidentés de la route, les accidentés du travail, les blessures sportives, les prises en charge, les soins post-opératoires, le soutien à domicile, l'ergonomie, tout ce qui concerne le milieu de travail et tout ça. Alors, on les connaît plus à ce moment-là. Il faut mentionner également que la physiothérapie, c'est une profession à accès direct, et ce, depuis le début des années 90. C'est un mécanisme qui existe beaucoup, qui est beaucoup utilisé dans le privé, qui est peu utilisé dans le milieu public et qui aurait intérêt d'ailleurs à être davantage mis de l'avant. Dans les secteurs d'activité également que les professionnels de la physiothérapie, où c'est plus méconnu, un peu plus invisible, comme le mentionnait Dr Trudeau, on va parler notamment de rééducation périnéale et pelvienne, donc les problèmes d'incontinence, les douleurs génitales, la rééducation vestibulaire également, les vertiges, les troubles d'équilibre, ce genre d'affectation. Les ponctures physiothérapiques, c'est un bien grand mot, là, avec aiguille sèche, donc pour traiter le volet anti-inflammatoire, le volet inflammatoire de certaines affectations. On fait également ce qu'on appelle des manipulations. D'autres activités un peu plus récentes, on va autoriser entre autres la reprise d'activités physiques lors de troubles crânio-cérébraux légers ou encore commotion cérébrale en collaboration bien sûr avec les médecins. De même que le physiothérapeute qui détient la formation et l'attestation va prescrire également des radiographies depuis 2020. Alors ça, c'est autorisé en collaboration avec le Collège des médecins. On a travaillé très, très fort pour cet aspect-là. Et d'autres secteurs qui sont un peu moins connus, mais bon, les soins de plaies, les brûlures. On travaille aussi en collaboration avec les collègues pharmaciens. On a une entente de collaboration avec eux. Et de même qu'avec nos collègues que sont les optométristes pour la rééducation que j'ai mentionnée vestibulaire. Alors, ça fait un tour pas mal général là, de la physiothérapie. J'espère vous en avoir appris un peu, sinon beaucoup, et j'aurai l'occasion d'intervenir plus tard. Parfait. Donc, on y va avec Joëlle, les diététistes nutritionnistes. Bon, on va commencer par la base. Diététiste et nutritionniste, c'est la même chose. Ce sont donc deux titres qui sont réservés, c'est particulier au Québec et à deux autres provinces canadiennes, mais ce sont les deux titres qui sont réservés. Ils font exactement la même chose. C'est un peu aberrant hein, qu'en 2023, on soit encore obligé d'expliquer non seulement au public qui est absolument mélangé, mais aussi au sein des équipes de soins, que en fait, la diététiste et la nutritionniste sont la même profession, le même titre réservé. On peut utiliser un, on peut utiliser les deux, on peut utiliser les autres. Et la raison pour laquelle on a réservé le titre de nutritionniste, c'était surtout pour essayer de se distinguer des charlatans, puis pour pouvoir être présent sur la scène, puis offrir de l'information de qualité au public québécois. Donc, maintenant que la question est réglée, les nutritionnistes, diététistes, la particularité, je pense, de notre profession, c'est d'être présent partout. On est présent autant en amont, on est utile autant en prévention qu'en traitement. On est plutôt utilisé en prévention, plus rarement utilisé en traitement, malheureusement, puis on aurait avantage à l'être beaucoup parce qu'il existe très, très peu de conditions médicales pour laquelle la nutrition n'est pas un facteur déterminant, soit de la prévention ou du traitement là, de la condition. Ça contribue un peu à la méconnaissance de notre profession, je pense. Tu sais, le large éventail d'activités qu'on peut pratiquer. Selon le code des professions, nous, on en a deux activités qui nous sont vraiment réservées, soit déterminer le plan de traitement nutritionnel et la voie d'alimentation, puis effectuer la surveillance des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé, ce qui est assez vaste et large.
On est chanceux, avec une belle collaboration avec d'autres professionnels, mais surtout avec le Collège des médecins, on nous a autorisé des nouvelles activités qui peuvent être effectuées par les diététistes nutritionnistes sous certaines conditions. Donc, tout d'abord, ça prend une ordonnance médicale individuelle pour être capable d'effectuer ces activités-là. Ça prend aussi de la formation additionnelle puis une certification additionnelle. Mais parmi les nouvelles activités, on va retrouver le retrait d'un tube d'alimentation. Un retrait définitif. On va retrouver la prescription de micronutriments, de macronutriments, de solutions d'enzymes pancréatiques qui visent à rétablir l'intégrité du tube d'alimentation, entre autres, d'analyse de laboratoire, donc pour effectuer le vrai suivi de nos interventions, voir si l'hémoglobine glycée est finalement diminuée, parce que c'est ça qui nous intéresse au final, c'est le changement des... Bien, c'est la personne en premier, mais ensuite de ça, c'est l'amélioration de l'état de santé, right? Ensuite de ça, je me suis perdue dans mes nouvelles activités autorisées, la prescription, et voilà. Enfin, bref, l'élargissement des professions, je pense que clairement, tout le monde est d'accord avec ça, que c'est la voie de l'avenir, tu sais, pour la santé, afin qu'on soit capable d'assurer un meilleur accès, afin qu'on soit capable d'être plus efficace. La collaboration, puis ça va passer par vraiment apprendre à bien connaître... Notre profession, tout le monde la connaît. Je veux dire, sa profession à soi, là, tu sais, tout le monde connaît assez bien sa profession, je pense, mais c'est difficile de savoir c'est quoi ton carré de sable quand tu ne connais pas bien celle des autres. Fait que je pense que dans les prochaines années, il faut passer plus de temps à s'asseoir ensemble, à essayer de comprendre quel est le champ de pratique, le champ d'exercice de nos collègues pour qu'on soit capable de bien se camper, tu sais, dans le nôtre, puis de mieux occuper le nôtre, enfin bref. Puis accepter de se laisser surprendre aussi. Oui. Moi, je l'ai vécu beaucoup au collège. Ça fait 2 ans que j'ai quitté, mais à chaque fois que je rencontrais des gens de d'autres professions, c'est de prendre le temps de justement bien saisir les limites là, qui sont de cette profession-là, mais aussi de se laisser surprendre par les possibilités qu'on n'avait pas vues. Déjà, avec tout ce que vous venez de dire, je pense que déjà dans la salle, il y a des gens là, qui sont peut-être surpris de voir ce qui est possible de faire puis ce qui s'en vient en plus. Vous avez été très discipliné, c'est pour ça que je me permets un petit aparté. Donc, on va voir si nos deux hommes vont l'être autant que vous. Et on va passer à Éric. C'est un défi, on peut prendre plus de temps. Bonjour à tous. Expliquer l'optométrie, ça, c'est à peu près la question que je réponds le plus. Après, papa, je peux savoir les clés de l'auto. C'est quoi la différence, les 3 O, optométriste, opticien, ophtalmologiste, opticien, maîtrise, oculiste? L'optométrie, c'est un doctorat de 5 ans à l'Université de Montréal, 45 gradués par année, 1500 optométristes au Québec, 97% dans le privé, c'est pour ça qu'on n'est pas très connu dans le réseau public. Les seules personnes qu'on a, les seuls professionnels qu'on a dans le réseau public travaillent en centre d'adaptation avec la clientèle en basse vision. On est bien dispersés partout au Québec. L'historique de la profession, ça a commencé au siècle dernier, début du siècle dernier, mesurer les indices de réfraction pour faire des bonnes lunettes. Puis après ça, bien, tant qu'avoir les personnes sur notre chaise, bien, on a fait ce qu'on appelle du dépistage opportuniste pour regarder, ils ont-tu des bons yeux, ils ont-tu des yeux en santé. Puis en poursuite de ça, on pourrait traiter ce qu'on est capable de traiter. Alors en 2003 et 2018, on a eu des privilèges thérapeutiques pour avoir le droit de traiter puis de prescrire certaines conditions. L'optométrie en 2023, ce que c'est, bien sûr, les examens de la vue, le célèbre 1 ou 2. Les téméraires vont des fois jusqu'à 3 ou 4, faire les lunettes, les verres de contact. Aussi, évaluer puis traiter les troubles de dysfonction visuelle, la dysfonction de la fonction visuelle, Manon en parlait, c'est-à-dire nous, on appelle ça la vision binoculaire, c'est-à-dire l'alignement des yeux, le focus, tout ce qui s'appelle la vision binoculaire. Les commotions cérébrales, pas le vestibulaire, on partage avec les physiothérapeutes puis d'autres professions ces traitements-là. Et la basse vision en centre d'adaptation pour les clientèles qui sont en perte d'autonomie, qui perdent la vision, ou à l'autre bout du spectre, les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des bons yeux, qui ont des conditions dégénératives ou qui sont carrément aveugles. On a aussi le traitement, le diagnostic puis le traitement de ce que nous, on appelle les conditions de faible morbidité de l'œil, ce qui s'appelle la première ligne. C'est la thérapeutique, de prescrire des gouttes, des topiques, certains oraux pour les conditions oculaires, des soins non chirurgicaux des yeux, surtout pour les yeux secs. On a aussi l'extraction de corps étranger pour certaines urgences en première ligne. On a de la co-gestion avec nos collègues ophtalmologistes pour des suivis de chirurgicaux, puis des suivis de conditions,
disons, normal, là, tu sais, pour les personnes diabétiques. On parlait pour les nutritionnistes, pour les rétinopathies diabétiques, pour certains médicaments qui sont prescrits en rhumatologie, genre le Plaquenil, pour suivre pour les conditions oculaires qui découlent de ça. Alors, ça fait un peu le tour de ce qu'on fait présentement, les optométristes, sur le plancher en première ligne. Je peux-tu juste prendre la balle au bon? C'était ça l'autre activité autorisée que j'ai oublié, ajuster l'insuline pour les antidiabétiques. Ah bien, vous aviez le droit de prendre un petit peu de temps. C'est quand même important, on va se le dire. Excellent. Donc, Jocelyn? Bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'avoir pensé aux inhalothérapeutes pour participer à ce panel-là. On est une profession qui est méconnue et souvent, bien, quand on intervient auprès des patients, ils ne s'en souviennent pas parce que ça va mal ou sinon, ils sont plus ou moins conscients. Sinon, ben, c'est nos patients qui sont atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc, eux autres, on a un suivi régulier avec eux autres. Donc, l'inhalothérapeute, c'est un clinicien qui est reconnu pour son expertise en soins cardio-respiratoires. Principalement, ses champs d'exercice lui permettent d'évaluer la condition respiratoire, contribuer à l'anesthésie ou la sédation analgésie et de traiter des problèmes reliés au système cardio-respiratoire. Je ne vous ferai pas part des différentes activités autorisées à l'inhalothérapeute. Il y en a 8, il y en a 2 qui sont sans prescription, les autres sont toutes sur prescription. Je vous inviterai à aller les voir. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais parler, moi aussi, un petit peu comme Joël, avec les nouvelles activités autorisées, on peut tout simplement, on a débuté à faire de la prescription pour des thérapies de remplacement nicotinique pour certains médicaments. On peut effectuer des prélèvements artériels, on peut gérer des appareils d'autotransfusion, d'oxygénation et de circulation extracorporelle. Mais comme tu as dit, ça prend une formation spéciale et ça prend une autorisation délivrée par le PIP. Dans le visible, ben, les inhalothérapeutes, vous le savez, c'est surtout soins intensifs, urgences, blocs opératoires. C'est là surtout qu'on nous voit. Mais on travaille aussi dans d'autres secteurs d'activité. Puis vous allez vous dire que dans les principaux secteurs d'activité que je viens de vous nommer, l'interdisciplinarité que les inhalothérapeutes ont, c'est probablement surtout avec les médecins et les infirmières, mais non, on travaille aussi avec les physiothérapeutes. Un exemple, pendant la COVID, j'ai aidé des physiothérapeutes à faire marcher des patients qui avaient des besoins d'oxygénation suite à leur intubation. On a participé ensemble à faire des exercices pour rééduquer le patient au niveau de sa respiration. J'ai eu à travailler avec des diététistes nutritionnistes pour revoir le plan d'alimentation des patients qui étaient sous ventilation et qu'on avait des difficultés à sevrer. Au niveau du moins connu, c'est la participation justement de l'inhalo en première ligne. Souvent, on peut les voir en promotion de la santé et en prévention de la maladie. On peut les retrouver en GMF, en suivi de l'asthme et de la MPOC, en cessation tabagique, en rééducation respiratoire. Ils font partie des équipes de soins des CHSLD, des CLSC, des soins à domicile. Ils sont en clinique privée. Et là aussi, il y a beaucoup d'interprofessionnalité avec d'autres professions. Et je veux prendre vraiment quelques secondes pour vous parler de la fameuse clientèle MPOC. C'est l'une des 3 principales causes de mortalité dans le monde. C'est 9,5% de la population canadienne adulte qui serait touchée, et c'est sous-estimé. Puis selon l'INSPQ, 58% des MPOC de la région de Montréal auraient consulté au moins 10 fois par année leur médecin ou un professionnel de la santé. Fait que c'est une clientèle qui nécessite beaucoup de soins et qui est mal suivie, mais où il y a une déficience au niveau du suivi et où on pourrait intervenir grandement. Et encore là, on est souvent appelé à travailler en collaboration avec les physiothérapeutes pour la réadaptation et la rééducation respiratoire, avec les diététistes nutritionnistes, parce que c'est des patients qui ont une dépense énergétique énorme pour respirer. Et souvent, on constate des pertes pondérales importantes de ces patients-là. On a des travaux en collaboration avec les ergothérapeutes pour le réaménagement de l'environnement, les travailleurs sociaux pour les détresses psychosociales, les pharmaciens pour la mise en branle des plans thérapeutiques. Mais désolé, Éric, je voulais essayer d'avoir quelque chose avec chaque participant, mais je n'ai pas encore réussi à trouver une collaboration entre nos deux professions. Je manque sûrement de vision. On va essayer de rebondir là-dessus. Vous voyez à travers les présentations qui vous sont faites, l'élargissement des professions, peut-être des choses que vous connaissez moins bien, que vous connaissez peut-être un petit peu plus, mais
Aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est l'interaction, c'est l'ouverture vers l'autre. Hein, quand on parle de sortir de l'approche silo, là, puis de finalement avoir les passerelles pour mélanger le grain, apprendre aussi à travailler avec l'autre, c'est déterminant là, pour la réussite, là, pour faire la différence en termes de qualité et de sécurité auprès des patients. Tu as ouvert la porte pas mal déjà, Jocelyn, là, avec les collaborations. J'aimerais ça que vous parliez, parce que tantôt, vous en avez glissé un mot, une collaboration justement entre l'Ordre des physiothérapeutes et puis l'Ordre des optométrices. Qui commence? Je peux me lancer. Commotion cérébrale, bien sûr, quand moi j'étais jeune, ça n'existait pas. On n'en entendait pas parler. Maintenant, c'est un problème de santé publique majeur. Puis ce qu'on s'aperçoit encore, c'est que quelqu'un qui a une commotion cérébrale, c'est pas toujours quoi faire avec ça. Les portes d'entrée sont plurielles. Là, des fois, c'est le médecin de famille, des fois, c'est l'urgence. S'ils ont un problème visuel, ils débarquent chez l'optométriste. Et souvent, pour ne pas dire toujours, chez le physiothérapeute aussi. Puis il y a comme un peu ce flou-là que les gens ne savent pas à qui s'adresser puis comment traiter ça. Alors là, il y a des cas qui s'éternisent, ça s'incruste comme ça, puis on a de la difficulté. Alors, les physiothérapeutes et les optométristes, on s'était approchés pour dire bien, on travaille presque toujours ensemble sur des choses connexes. Puis on voyait des patients d'un côté comme de l'autre qui n'étaient pas traités de manière optimale parce que le physiothérapeute ne savait pas ce que l'optométriste faisait, puis le contraire aussi. Alors, on a fait ce protocole-là de guide de soins conjoints avec les physiothérapeutes. Puis un jour, ça serait fun que ce soit élargi avec les médecins et avec les autres intervenants là-dedans pour savoir qu'est-ce qu'un optométriste fait par rapport à ça, qu'est-ce qu'un physiothérapeute fait, quand est-ce que c'est le temps de référer à l'autre, puis de faire vraiment ce soin conjoint-là. Parce que les places que ça fonctionne le mieux, le traitement des commotions cérébrales ou des TCCL, c'est en centre de réadaptation souvent, parce que c'est des équipes multidisciplinaires, il y a des psychologues, il y a des médecins, puis c'est là que le traitement se fait le mieux au lieu d'être en silo. Exact. Bien, en fait, tout a presque été dit, mais je pense que ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que chaque professionnel, dans son champ d'exercice respectif, contribue hein, pour le patient, donc à faire évoluer et rendre plus fonctionnelle la personne. Bien sûr, on va s'adresser à des conditions qui sont à la base d'origine neurologique, vestibulaire, parfois bien, oculo-visuelle également, mais... je pense que le bon mot, c'est qu'on s'est doté d'un outil de collaboration qui favorise justement cette trajectoire fluide-là entre les deux professions au profit de la personne qui est devant nous. Je tiens à souligner, pour avoir aussi contribué à ces travaux-là quand j'étais au collège, puis que je vois comment ça a évolué depuis, comment les données probantes aussi, les guides sont disponibles, et puis... Même les chercheurs accompagnent, nous amènent encore plus loin par rapport aux capacités et aux possibilités que les différents professionnels là, peuvent apporter puis qui méritent à être connus. Peut-être juste ajouter là-dessus que la diffusion de ces outils-là est hyper importante parce que à notre niveau, on fait souvent des guides comme ça, puis on le met sur le site Internet, puis c'est pas, vous savez, la vie va vite, les membres n'ont pas toujours le temps d'aller éplucher ces choses-là. D'où ça a été diffusé, puis sur le plancher, on le voit, là, tu sais, moi j'ai eu des téléphones des cliniques de physiothérapie dans la région où est-ce que je pratique pour dire, il faudrait qu'on se parle, il faudrait faire un protocole, il faudrait se parler. Puis ça, c'est important, la diffusion de cette information-là. Oui. Si je peux me permettre également. Vite. Il en demeurera toujours, malgré un guide, hein, que c'est le clinicien, lui, avec sa pertinence, son jugement clinique, qui va choisir d'utiliser et de mettre en œuvre. Mais on est là pour soutenir la pratique. On comprend que c'est en soutien à l'exercice du jugement clinique. Jocelyn a beaucoup parlé de l'interaction. J'aimerais ça, peut-être, Joël, que tu nous parles justement là, en lien avec des interactions avec les inhalothérapeutes, mais tu nous parlais aussi, quand on a préparé l'atelier, là, l'implication avec toute la nouvelle réalité de la COVID longue. La COVID longue, bien oui, bien, Jocelyn a mentionné la MPOC aussi, tu sais, où est-ce qu'évidemment, on est très peu présent et pourtant tellement aidant, parce qu'évidemment que ça prend un bon état nutritionnel pour être capable de se remettre vite de la condition et de se remettre vite sur ses pieds. En COVID longue, c'est un autre endroit où est-ce qu'on collabore, où est-ce qu'on pourrait collaborer davantage, mais où les nutritionnistes, où le rôle des nutritionnistes est de plus en plus étayé par la science puis par des données probantes. Là, il y a plusieurs symptômes avec lesquels on peut aider au niveau de la gestion, entre autres
On observe beaucoup là, des troubles gastro-intestinaux importants, la dysgeusie, la perte d'odorat, la perte de goût, la perte d'appétit. Si l'état nutritionnel n'est pas maintenu, puis qu'on entre en dénutrition, qu'on entre en déshydratation, bien, de combattre, on pense que de combattre la COVID longue, c'est d'autant plus difficile. Fait qu'évidemment que nous, on vient servir de soutien aussi à tout le restant de l'équipe soignante pour que la personne se rétablisse le plus rapidement possible. Parfait. Le temps s'écoule vite, mais finalement, on a bien rattrapé. Oui. J'aimerais juste mentionner quelque chose, parce que tant qu'à être dans le sujet de la COVID longue, COVID longue a amené beaucoup de changements dans les façons de pratiquer, où l'interdisciplinarité a pris une place prépondérante. Je sais bien que je ne parlerai peut-être pas nécessairement de première ligne, mais juste vous mentionner que pendant justement la COVID, il y a des inhalothérapeutes du bloc opératoire qui ont été réaffectés à l'urgence pour pouvoir donner un coup de main à l'équipe médicale en prenant en charge les patients qui avaient des troubles cardio-respiratoires. À ce moment-là, c'est eux qui faisaient l'évaluation, installaient le monitorage, installaient les intraveineuses, administraient des médicaments et les ajustaient. Donc, c'est une autre façon de voir la collaboration interprofessionnelle dans d'autres secteurs d'activité. Puis je tiens à dire aussi à travers vos propos, puis une meilleure connaissance de chacune de vos professions, qu'il y a un travail important qui a été fait justement pour, avec tout le virage à domicile, la place que chacun de vos professions, puis plusieurs autres aussi, même qui sont dans la salle, peuvent jouer dans les soutiens, puis le service à domicile, là, comment on peut élargir finalement les possibilités. On serait donc rendu au deuxième bloc, rendre le futur présent. Vous avez chacun 5 minutes. Dans le même ordre, sauf qu'on va inverser à la fin là, parce qu'il y avait un caprice de l'ordre des optométristes. On va inverser pour les deux hommes à la fin, mais sinon, on garde le même ordre. On y va avec Manon. Alors, bien, comment est-ce qu'on rend le futur présent? Beaucoup d'activités peuvent être réalisées maintenant par des professionnels de la physiothérapie pour accroître l'accessibilité à la première ligne. Ça passe, on l'a nommé tout à l'heure, bien sûr, par une meilleure connaissance de ce que font les professionnels de la physiothérapie et les autres professionnels de la santé pour éviter les chevauchements, les dédoublements, donc pour s'assurer qu'on soit en efficience. On dit le bon professionnel au bon moment, au bon endroit pour le patient. En 2023, c'est plus vrai que jamais. Donc, c'est important d'y aller de cette façon-là. Pour la physiothérapie, le technologue en physiothérapie est sous-utilisé dans le réseau public. Alors, on a intérêt. C'est déjà mieux que c'était, mais il y a encore beaucoup à faire. Et on pense qu'il y a vraiment un espace important là, à occuper en intradisciplinarité, mais aussi en interdisciplinarité avec les autres professionnels. On s'inscrit favorablement, bien sûr, dans le plan de santé ainsi que dans le projet de loi 15 là, qui incessamment devrait arriver et atterrir. Une mesure qui est importante, moi, en fait, comme présidente d'ordre professionnel, bien sûr, on ne peut pas aller à l'encontre de la compétence. Donc, on parle de pouvoir et de vouloir titulariser les professionnels de la santé par voie de compétence pour assurer la protection du public et la qualité des services. C'est aussi très, très important. Dans d'autres pays, il y a des initiatives super intéressantes qui ont été mises de l'avant et que les physiothérapeutes, parce que c'est juste au Québec qu'il y a des technologues en physiothérapie, mais ailleurs dans le monde. Au Royaume-Uni, ils ont changé la législation en juillet 2022 pour faire en sorte que des physiothérapeutes, infirmiers, pharmaciens ainsi que ergothérapeutes puissent produire ce qu'ils appellent des « certified fit notes ». Donc, ces gens-là sont habilités, de par la législation, mais aussi par leurs compétences, à prescrire des arrêts de travail et des retours au travail. On aurait intérêt à s'en inspirer au Québec parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administration derrière ces processus-là. Et ce que ça fait, c'est que ça ne rend pas justice à une fluidité qui serait souhaitée. Également, dans d'autres pays, les physiothérapeutes peuvent prescrire des médicaments, peuvent faire des infiltrations, prescrire des imageries comme des IRM, des échographies, des Doppler également. Ça peut sauver des vies, vous savez, quand un Doppler est prescrit au bon moment, quand il n'y a pas d'autres conséquences, on a évité la catastrophe. De même que la prescription d'orthèse par des physiothérapeutes. Alors, ce qu'il faut faire pour la suite des choses, c'est s'adresser, aller vraiment sur les quick wins, les choses qui peuvent être faites rapidement et, comme je vous dis, là, avec très peu d'orientation, très peu pas de formation additionnelle nécessairement, mais on est capable d'avoir encore plus de professionnels de la physiothérapie, notamment dans les urgences, dans les GMF, je les ai nommés tout à l'heure, dans les cliniques externes, dans les cliniques de spécialité. Ça aide à désengorger, on peut faire fondre des listes d'attente lorsqu'on met les bons professionnels aux bons endroits.
Donc, pour optimiser la première ligne, il y a également un beau projet dans la province de Québec qui s'appelle une potentielle ligne info-réadaptation. Et pourquoi pas avoir plus de monde, plus de professionnels de la physiothérapie en orientation, notamment au guichet d'accès à la première ligne. Il y en a quelques-uns maintenant, mais on en veut davantage. Ainsi que pourquoi pas au 811. Donc, et tout ça devrait s'harmoniser dans les bons algorithmes décisionnels pour s'assurer que la personne soit bien orientée rapidement vers le bon professionnel. Comment on fait ça? Bien, ça prend des structures de postes, ça prend des budgets récurrents associés à ces programmes-là, ça prend des programmations cliniques, et là, on va parler probablement de l'arrimage avec Santé Québec qui sera en devenir, s'assurer que les directives ministérielles soient bien claires également et que l'on puisse soutenir les établissements dans le déploiement de ces établissements et peut-être même les cliniques privées, parce que ça prend aussi une fluidité publique-privée, privée-publique, peut-être avec des couvertures RAMQ ou des ententes harmonisées qui se font déjà d'ailleurs avec les établissements de santé, éventuellement avec Santé Québec. Alors, et on ne peut pas passer à côté, bien sûr, d'un important plan de communication quand on fait ce genre de déploiement-là. Voilà. Alors, ça Excellent. Ferait partie du présent que l'on veut, du futur qu'on veut rendre présent. On aime ça être surpris. Donc, on continue avec Joël. Parler, ça aide, ça a l'air. Hein? Habituellement, quand la main gauche parle à la main droite. Pour nous, en fait, j'ai envie de dire, évidemment qu'on a une vision pour le futur. Il y a plusieurs endroits où est-ce que les diététistes nutritionnistes pourraient être impliqués davantage. On a plein d'idées de beaux projets. Par exemple, avoir une formation additionnelle en psychothérapie pour pouvoir intervenir sans nuire auprès de troubles des personnes qui vivent avec un trouble de comportement alimentaire ou la population avec déficience intellectuelle ou avec trouble du spectre de l'autisme. Mais ça, ce sont des beaux projets quand on regarde, innovants, quand on regarde vers le futur. Mais je pense que ce qui est important à court terme, c'est de se concentrer sur les demandes qui sont déjà en cours, laisser le temps aux nouvelles activités d'arriver, de s'établir, laisser le temps à nos collègues d'apprendre à connaître quelles sont nos nouvelles activités autorisées, mais surtout retirer les barrières qui sont encore sur le terrain, parce que c'est encore plutôt nouveau là, pour permettre aux diététistes nutritionnistes d'effectuer leurs nouvelles activités. Je donne un exemple très, très pratico-pratique, mais quand il y a, par exemple, prescription de laboratoire, avec le numéro de la RAMQ ou peu importe, mais quand il y a prescription d'analyse de laboratoire, mais il y a encore beaucoup ou plusieurs établissements dont le système informatique ne permet pas à la nutritionniste d'effectuer sa prescription de laboratoire. Bien, ça, il faudrait que ça se fasse, tu sais. Fait que ça va prendre le temps là, avant que tous ces petits pépins-là soient mis en lumière, puis ça, c'est dans un premier temps. Ensuite de ça, on a des demandes qui sont actuellement en cours, là, dont une demande conjointe avec... mes homologues de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec puis l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour nous permettre de faire la vidéofluoroscopie, entre autres, là, les scopies qui sont de mise dans les cas de dysphagie. Ça vous dit, c'est un autre beau projet interprofessionnel qui est sur les planches, qui est en attente de réalisation. Donc, voilà, je pense qu'à court terme, là, on va essayer. Puis la plus importante, j'allais passer, mais on y reviendra probablement, mais... Également, si on était capable, on a une demande sur la table là, de retirer l'ordonnance individuelle pour nous permettre d'agir plus rapidement puis plus efficacement dans certains cas. Puis pour permettre aussi de décharger nos collègues médecins d'avoir à effectuer cette étape-là additionnelle qui n'a pas nécessairement une plus-value extraordinaire. Là, t'sais, je pense qu'il y a des moyens qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer de la sécurité des gens, puis la sécurité du patient, puis s'assurer aussi que nos soins soient coordonnés, qui sont autres que l'ordonnance individuelle. Fait que pour nous, c'est là qui est l'avenir à court terme, je dirais. Puis on comprend que dans tout ça, il n'y a rien qui se fait en cachette. Là. C'est toujours en équipe, en collaboration, puis dans toute la transparence. Là, parce que c'est ça qui est important aussi. Oui. Donc, on fait un saut vers Jocelyn. Oui, bien, la priorité du plan santé, c'est de rendre accessible le plus possible un professionnel, un médecin ou un professionnel, aux patients. Ça vise l'accessibilité d'abord, mais aussi le virage en soins à domicile. Et donc, je pense que c'est important qu'on mise davantage sur le préventif que juste sur le curatif, comme on fait habituellement. Il y a plein de beaux projets présentement qu'on entend parler, qu'on parle de l'évaluation globale dans le contexte de maladies chroniques, les trajectoires de soins, les mini-hôpitaux, l'hôpital à domicile, le partenariat public-privé avec remboursement par la RAMQ. Il faut s'arranger pour ne pas manquer le rendez-vous, puis que les équipes interdisciplinaires puissent participer à ces travaux-là. Présentement, je sais que le gouvernement travaille justement sur l'élargissement des pratiques de ces professionnels. J'espère juste qu'on ne nous oubliera pas
où sera la place de l'inhalothérapeute dans la priorisation des clientèles de première ligne? Les patients atteints de problèmes cardio-respiratoires, souvent, bénéficieraient tellement qu'on puisse initier certains traitements comme l'antibiothérapie, la corticothérapie, l'oxygénothérapie, ou encore qu'on puisse initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques. Ça réduirait les délais d'accessibilité, ça permettrait de décharger le système et surtout de libérer les médecins et les infirmières pour qu'ils puissent faire d'autres choses. Mais aussi pour le patient, prévenir la chronicité. Qui est déjà présente, mais qu'on ne veut pas accentuer. De plus, on est souvent interpellé par les directions cliniques ou encore les conseillères cliniques pour savoir pourquoi les inhalothérapeutes n'ont pas le droit justement d'initier l'antibiothérapie ou encore de prescrire un rayon X. Saviez-vous que présentement, la Nouvelle-Écosse est en train d'étudier la possibilité de donner un droit limité aux inhalothérapeutes de prescrire notamment la médication, la vaccination et des examens. Il existe un règlement d'autorisation qui a été fait par le Collège des médecins en collaboration avec d'autres ordres professionnels pour autoriser justement trois nouvelles activités aux inhalothérapeutes qui ressemblent un peu à ça. Malheureusement, l'Office des professions a décidé de ne pas prioriser ces activités-là. Ce qui fait que présentement, ça entraîne des délais. Ici, on parle d'avoir la possibilité pour les inhalothérapeutes de participer au programme de vaccination provincial sans nécessiter vraiment une ordonnance individuelle. On est reconnu par le PIC pour pouvoir être des vaccinateurs, mais ça nous prend une prescription, une ordonnance individuelle. Imaginez les délais que ça occasionne à un patient si je ne l'ai pas. Il est obligé d'aller revoir un autre professionnel, de se déplacer et il est même à risque de développer une exacerbation qui va y entraîner une hospitalisation. Ça, c'est une des choses où on pourrait intervenir rapidement. Il y a l'évaluation globale des patients aussi. Je reviens en soins à domicile. Vous avez juste à penser à nos patients. L'inhalothérapeute ne fait pas juste une évaluation cardio-respiratoire. Il évalue le patient, la condition physique du patient. Que ce soit son état mental, son état nutritionnel, ses capacités de déplacement, ça serait tellement favorable au patient qu'on puisse vraiment l'avoir dans nos activités. Et la dernière, c'est vraiment, encore une fois, de pouvoir initier des traitements ou des mesures diagnostiques et thérapeutiques. Ça aussi, je l'ai dit tantôt par rapport à ce qui se faisait et les demandes de nos collègues des directions conseils, ça permettrait aux patients d'avoir accès aux soins rapidement. Et de plus, on pourrait aller plus loin. Pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le droit de faire une demande de vignette d'handicapés pour nos patients qui sont atteints de problèmes respiratoires et qui développent des problèmes de déambulation? Ça pourrait aller au triporteur. Mais j'y vais encore plus loin parce que moi, j'aime ça être visionnaire. Imaginez des cliniques spécialisées en soins cardio-respiratoires avec des IPS, des inhalos, des infirmières, les autres professionnels pour prendre en charge cette clientèle-là, MPOC, et éviter ainsi qu'ils fassent les portes tournantes dans les urgences. Mm-hmm. C'est quelques exemples que j'ai présentement qui démontrent une belle collaboration interprofessionnelle et où le patient serait gagnant à avoir un accès meilleur aux soins. Merci, Jocelyn. Donc, Éric va nous présenter un spectacle audiovisuel. Pas tant que ça. Jean-Bernard a été déçu si l'optométrice n'a pas eu de visuel. C'est le moment factory du panel. Non. Puis ma première slide, je suis tellement content parce qu'après la conférence de ce matin, es-tu là? Parce qu'on s'est fait lancer beaucoup de chiffres. Avec les statistiques, bien, moi, je vais participer aussi, là, tant qu'à lancer des chiffres. On parle d'élargissement des rôles des divers professionnels en première ligne. Pas important, là, juste de voir que la population augmente. On s'est fait dire ce matin avec le vieillissement de la population puis l'augmentation, c'était pas important. Mes statistiques disent le contraire. Voir que nos collègues ophtalmologistes qui demeurent à peu près le même nombre, mais la population augmente, alors le per capita diminue. Les optométristes, bien, nous, on augmente. On a augmenté nos admissions de 20% pour répondre à la demande. Puis que 80% des références en ophtalmologie en deuxième ligne viennent des optométristes. On parle des limites, des solutions pour que les optométristes participent plus à la première ligne.
ça découle un peu de la manière que notre profession a évolué. Quand, en 2003, quand on a eu l'occasion d'avoir des nouveaux rôles en thérapeutique, bien, il y a eu un carcan qui a été créé parce qu'il fallait protéger le public. C'était nouveau. Il y a eu des restrictions, des manières de faire. Puis là, ce contrôle-là qui a été mis à raison pour s'assurer la protection du public est devenu un carcan avec le temps. Puis ça, c'est des choses qui vont toucher à peu près toutes les professions, surtout les professions s'ils ont des nouveaux actes pour réserver des actes thérapeutiques qui leur sont réservés. On parle de lois puis de règlements qui sont tatillons. Alors, il y a certaines choses qu'on a le droit de faire à la pleine lune si on pratique à une adresse impair. Il y a des listes de médicaments puis des listes de soins qui dès qu'ils sont adoptés, parce que ça vient par règlement, alors si on adopte un règlement qui est une liste de médicaments, bien, le lendemain, ça devient obsolète parce que ça bouge beaucoup dans le médical. Alors, on voit des cas qu'on a le droit de prescrire un médicament pour une condition, disons les yeux secs. Ce médicament-là est mis sur le marché pour une autre condition. Je n'ai pas le droit de l'utiliser parce que ce n'était pas ça qui était écrit comme tel dans le règlement. Alors, il faut recommencer, changer le règlement. Puis pour ceux qui sont dans le système professionnel, vous savez que quand on commence ça, on en a pour 2-3 ans pour essayer de mettre le règlement à jour. Alors, les listes fermées de médicaments puis de soins, ça, c'est problématique. Puis aussi toutes les restrictions, les obligations de référence. Alors, qu'on a le droit de traiter certaines conditions, mais qu'on est obligé de les référer. Puis après ça, quand c'était référé en deuxième ligne, ça nous revient pour le traitement, pour le co-management. Alors, il y a beaucoup de doublons, puis le patient s'envoie une place et revient à l'autre quand ça pourrait être fait autrement. Puis il y a aussi la couverture déficiente de la RAMQ. Hey, c'est-tu comme quand j'ai été te voir avec ma mère, ça? Oui, c'est pas mal ça. Comment va la belle Ghislaine? Elle va bien. Elle va bien. C'est une tranche de vie, c'est un fait vécu que j'ai vu la mère pour une urgence. Puis pour les urgences, bien, c'est un peu ça. La couverture comme telle, quand on parle du guichet d'accès première ligne, quelqu'un qui a une condition oculaire, souvent, c'est chez l'optométriste qu'ils vont aller, 80 % comme je le disais. Mais il y a une question de couverture RAMQ. Il y a des gens c'est une question d'accessibilité aussi. Soins. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aider dans le privé. Alors, il y a des conditions comme telles qui devraient être couvertes. Puis la couverture est un petit peu alambiquée présentement. Que quelqu'un se présente chez l'optométriste pour un problème de santé des yeux, pour une urgence oculaire, bien, on a quatre diagnostics. On peut avoir un œil rouge, une perte de vision, une douleur ou un corps étranger. Fait que si tu n'as pas ça, la couverture, elle ne se fait pas. Il n'y a pas de couverture. Puis c'est un par année. Fait que si tu as eu une consultation avec un optométriste pour un œil rouge, bien, la fois d'après, il faut que tu aies mal parce que si tu as encore un œil rouge, tu n'es pas couvert. Puis il y a une couverture partielle, c'est-à-dire pour l'évaluation, parce qu'avant, c'était ça. On pouvait évaluer, puis après ça, on envoyait à l'hôpital ou à l'ophtalmologie. Fait qu'on a le patient qui vient. Alors, l'évaluation, le diagnostic est couvert, mais pas le traitement. Alors, si on ne fait pas de traitement, ça ne coûte rien, mais s'il y a un traitement qu'on doit le revoir, il faut qu'il soit payé. Alors, cette couverture-là, ce n'est pas à l'ordre professionnel de faire ces démarches-là au niveau du gouvernement pour une couverture RAMQ, mais pour l'accessibilité aux soins, puis si on parle d'élargir le bassin de professionnels qui peuvent répondre en première ligne, c'est quelque chose qui va devoir être regardé. Puis quand on parlait de liste fermée, ça va toucher les physiothérapeutes qui ont le droit de prescrire un jour à tous mes collègues de dire, bon, mais dès qu'on donne le droit à quelqu'un de traiter une condition, bien, ça devrait être ouvert qu'il y a le droit de traiter cette condition-là. Il y a quelque chose en droit professionnel qu'on appelle la déontologie, qui dit qu'on a le droit de faire des choses si on est compétent, si on a la formation, si on a des instruments, si on a tout. C'est ça qui devrait être le maître mot du contrôle de si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Il peut y avoir des listes qui sont obsolètes dès qu'ils sont mis en règlement. Après ça, bien, ma dernière slide, c'est pas après. Non, c'est pour après. C'est pour OK, après. Parfait. Bien, merci. Justement, bien, à travers vos propos puis les possibilités, vous avez parlé de freins, là. Est-ce que de liste fermée, d'ordonnance, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose par rapport à ces éléments-là? Nécessairement, certains règlements méritent d'être revus, voire allégés pour permettre des activités qui sont effectivement élargies, toujours dans le champ de compétences, parce qu'on sait que c'est ça, il y a là un très, très, très grand frein. Le Code des professions, on le sait, va être modernisé, donc on le souhaite. On souhaite avoir des espaces pour justement là, actualiser les pratiques de nos professionnels, toujours dans un but d'accessibilité à la profession, à la population plutôt, et de protection du public. Donc, moi, je pense que c'est deux éléments qui sont hyper importants.
Avec la CNSST. Entre autres, la CNSST. Okay. Bon, effectivement, ça fait partie. C'est un règlement parmi tant, une loi parmi tant d'autres. Il y a un enjeu aussi avec les assurances, là, en termes de reconnaissance. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous regardez aussi? Absolument. Bien, je vais parler. Il y a plusieurs nutritionnistes qui, en termes d'assurance, également pour la couverture de soins au privé, là, tu sais, pour essayer, quand on a des cas mineurs qu'on est capable de traiter au privé pour désengorger le système où les gens ont besoin d'une équipe soignante qui est plus avancée, puis d'améliorer cette fluidité-là, je pense, ça peut être vraiment aidant, mais aussi d'améliorer l'accès aux soins par la couverture, dont que ce soit autant là, tu sais, les assurances publiques que privées. Je pense qu'il y a matière à faire quelque chose avec ça. En faisant du pouce sur les assureurs, la particularité au niveau de la physiothérapie, c'est que pour nous, certains assureurs ne reconnaissent pas le technologue en physiothérapie à titre égal comme le physiothérapeute, alors qu'il est un professionnel compétent, autonome. Et alors, on travaille aussi sur ces aspects-là là, pour assurer la couverture. Pareillement pour nous, pour la sécurité du public, c'est vraiment important. Puis dans le créneau de la nutrition, je vais dire, il y a énormément d'assureurs privés qui vont couvrir la naturothérapie, mais qui ne vont pas couvrir la nutrition, ce qui est un peu aberrant, tu sais, parce que j'en ai rencontré énormément des personnes qui me diraient, mais écoutez, je viendrais chercher des soins, mais puisqu'ils ne sont pas couverts, je vais aller chez Pierre-Jean-Jacques à la porte à côté. Puis, je comprends. Donc, c'est une barrière qu'on doit reconnaître puis sur laquelle dont on doit parler, effectivement. Jocelyn? Bien, moi, j'aimerais mentionner aussi qu'au niveau des défis, c'est la connaissance de l'autre, ses champs d'exercice, de ses activités autorisées. Souvent, on a peur de qu'est-ce que l'autre va faire, qu'est-ce qu'il va venir nous chercher. Moi, je regarde ça plutôt à savoir qu'est-ce que je peux partager avec lui, qu'est-ce que je peux lui offrir, surtout en période de pénurie, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour m'aider. Mais une chose qui est hyper importante, c'est de placer le patient vraiment au centre des choix. C'est lui qui doit prendre les décisions. Et à partir de ces décisions, c'est là qu'on devrait être présent pour déterminer quel est le meilleur professionnel pour lui rendre accessibles les soins dont il a besoin. Et puis, j'appartiens peut-être, tu sais, peut-être que je porte des lunettes roses, là, mais j'ai l'impression que la vaste majorité des professionnels de la santé est en accord avec l'interdisciplinarité, puis est en accord que le patient doit être au centre de tout, puis que ça doit vraiment être et inclus dans les choix de traitement. Je pense vraiment, vraiment, sincèrement, oui, que ça passe par la méconnaissance. Mais souvent, c'est la problématisation de tout ce qui encadre la réglementation. Mais oui. Souvent, on a des freins. Ces freins-là peuvent venir justement du côté de comment le traitement réglementaire se fait parce que ça n'avance pas suffisamment vite. Non, exactement. Mais aussi au niveau de la je voulais faire du pouce puis oui, souligner l'importance de la bonne connaissance des autres, de prendre le temps de vraiment bien connaître les professions des autres pour savoir c'est quoi mon corps étable et comment est-ce que je peux l'occuper de meilleure façon, c'est clair. La meilleure image pour le patient, c'est qu'au lieu d'avoir un trousseau avec 15 clés où il y a 25 portes à ouvrir, on lui donne une clé, une porte, et ce sont nous, les professionnels derrière, qui travaillons en interdisciplinarité, qui allons offrir le bon service en pertinence au bon moment. Alors, c'est une image qu'il faut garder, je pense. Soyons un master key. Un master key. puis revenir aussi que si l'interdisciplinarité devient le maître mot dans ce qu'on veut faire, bien, que ce soit pensé aussi pour la pérennité de ce qu'on fait. Qu'on fait un règlement, qu'on change une loi, bien, que ce soit pensé comme ça, parce que je prends la CNSST, je rebondis là-dessus, les optométristes maintenant peuvent être des professionnels traitants au niveau de la CNSST. Moi, j'ai commencé ma carrière en Abitibi, on avait des usines là-bas, des corps étrangers dans les yeux, j'en avais 3, 4, 5 par jour. Mais quand c'était un accident de travail, bien, moi, je pouvais enlever le corps étranger, mais je ne pouvais pas signer les papiers. Alors, il fallait que je trouve un médecin de famille ou un médecin autre pour l'envoyer là, pour remplir les papiers. Puis, il me le retournait pour les suivis. Fait que ça, c'en est une chose qui a été réglée à partir de quand les optométristes sont considérés comme des professionnels qui peuvent prendre en charge. Bien, ça a été réglé. Alors, on a enlevé ces duplications-là parce que ça a été pensé comme ça. Même chose, je reviens avec les listes de médicaments, les listes de soins fermées. Bien, les soins de n'importe quel professionnel
naturelle, ça va à vitesse grand V. Je prends pour les yeux secs, nous autres, des appareils pour traiter des conditions d'insuffisance lacrymale, il en sort 2-3 par année. Alors, si je fais un règlement aujourd'hui, dans 3 ans, tout ce que je fais présentement, ça va être autre chose, il faut recommencer. Alors, à chaque fois qu'on change quelque chose, que ce soit une loi, parce que c'est dur de changer des lois professionnelles ou les règlements habilitants, que ce soit toujours pensé qu'il faut que ça soit vivant, il va falloir permettre les développements pour ne pas toujours retourner sur la table à dessin, puis que les relations qui se font entre les professionnels, si on veut casser les silos, qu'on soit conscient de si j'envoie mon patient en physiothérapie, qu'il va avoir le traitement qu'il est capable d'avoir dans les compétences du professionnel qui n'aura pas ce jeu de chaise musicale-là. C'est le défi d'avoir l'agilité réglementaire qu'on n'a pas actuellement parce que les pratiques évoluent tellement rapidement. Fait qu'on devient un peu prisonnier finalement des règlements à cause parfois des médicaments qui deviennent obsolètes puis qui sont prévus dans ces listes-là. Ça, c'est sûr, c'est un gros défi pour le gouvernement puis pour plusieurs acteurs. Heureusement, c'est su. D'ailleurs, Mme Lemel en parlait cette semaine dans l'étude des crédits. Je pense qu'on a une écoute de ce côté-là. Il y a une oreille ouverte, là, clairement. Oui. De voir aussi que là, on parle beaucoup de coûts de système. Puis Jocelyn parlait de prévention. On n'en parle pas suffisamment de prévention parce que c'est le point de départ d'une bonne santé, la prévention. Puis de la couverture comme telle. Souvent, quand on parle, le gouvernement parle de couverture, ça coûte cher, mais c'est des vases communicants. Si une personne va voir le physiothérapeute parce qu'il y a un problème, puis que le physiothérapeute est capable de prescrire le myorelaxant puis l'antidouleur, puis faire les traitements, il n'ira pas à l'hôpital ou il n'ira pas ailleurs. Alors, ce qu'on sauve à l'hôpital, ça vient ailleurs. C'est un vase communicant, c'est pas toujours plus que si on donne un acte à quelqu'un, on permet de faire quelque chose à quelqu'un en première ligne, ça ne va pas nécessairement coûter plus cher. Souvent, c'est à l'inverse. Nous, on a fait cette démonstration-là en 2003, quand on a eu le droit d'enlever des corps étrangers. Maintenant, les corps étrangers, je n'ai pas de statistiques, je pourrais en avoir, je peux vous en inventer aussi, c'est nous qui en enlevons le plus. Puis les coûts associés au retrait de corps étrangers, si on est capable de l'avoir avec la RAMQ, ça coûte moitié moins qu'avant. Parce qu'avant, souvent, ça allait à l'urgence, puis quand c'était un corps étranger qui était plus compliqué, parce que pas de lampe à fendre, pas l'équipement, ou l'expertise de le faire, ou ça en allait en deuxième ligne. Tout ce que ça coûtait avant, ça coûte la moitié prix maintenant, depuis que les optométristes le font. Puis c'est des choses que je suis persuadé que ça peut être multiplié ailleurs aussi. Alors, on parle d'un autofinancement, presque ici, un retour sur l'investissement et les bénéfices qui en découlent sont considérables. Où est-ce qu'on signe? Joël, puis après ça, on s'en va à la salle. Bien, puis le bénéfice le plus important étant la qualité de vie de la personne qui consulte, il faudrait le rappeler, tu sais, il faut le nommer le plus souvent. Mais la même chose pourrait être dite au niveau de l'investissement en termes d'effectifs. Nous aussi, on a des statistiques que je n'ai pas en tête, je n'inventerai pas des chiffres, là, mais le fait d'avoir des nutritionnistes, des diététistes nutritionnistes qui sont impliqués à l'urgence, puis qui, pour traiter les cas de malnutrition avant que les gens retournent à la maison, réduit grandement le retour à l'hôpital ou le retour précoce à l'hôpital. Puis ça coûte de l'argent à l'État. Ou même les hospitalisations. Exact. Tu sais, la première chose, c'est que ça diminue la qualité de vie. Fait que le fait d'avoir une intervention nutritionnelle qui pourrait offrir un bon support puis un bon état nutritionnel, mais ça augmente grandement la qualité de vie pour la personne qui consulte. Puis ensuite de ça, ça sauve de l'argent à l'État. Fait que je peux dire comme Eric, je peux dire où est-ce qu'on signe. En plus de l'expérience client à ne pas banaliser. Ben oui, exactement. Donc, après tout ce que vous avez entendu de nos précieux panélistes, ce serait le temps, si vous le souhaitez, de venir faire une intervention pour leur poser des questions ou réagir à leurs propos, partager des expériences. On vous invite. Il y a des micros qui est juste ici. Puis là, je vois déjà deux personnes qui se lèvent. C'est merveilleux. Donc, vous vous identifiez. Peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dans la vie très rapidement, d'où vous venez et à qui vous adressez la question. Bonjour, Philippe McNeil, chef du DRMG en Mauricie-Centre du Québec. Je trouve ça bien beau qu'on parle ce matin d'élargissement des champs professionnels, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas la responsabilité populationnelle. Les médecins de famille, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a adopté l'accès adapté. Ça veut dire qu'on module notre horaire pour laisser des plages disponibles là, pour les urgences. J'ai un exemple qui me vient en tête là, que je choisis parmi vous, mais si on pense à l'optométrie,
J'ai des patients, des fois, qui peuvent attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous. Là, donc, à quand on peut penser à un plan d'accès global au niveau de la province pour avoir accès à ces autres professionnels-là? Je comprends qu'il y a l'histoire des coûts, puis ça, je pense qu'il y a des travaux qui se font là-dessus, mais tu sais, est-ce qu'on peut s'imaginer que vous participerez au GAP pour offrir des plages qui pourraient être disponibles pour la clientèle orpheline? Je vous laisserai répondre. Très bonne question. Éric, je te laisserai répondre. Les optométristes veulent faire partie du GAP. Nos changements désirés à la loi de l'optométrie sont sur le bureau de M. Dubé et à l'Office des professions. Si quelqu'un le connaît, vous pouvez lui rappeler que ça traîne sur le côté droit de son bureau. La particularité, c'est qu'il y a une question régionale aussi. On est conscient que dans toutes les professions, on a des enjeux de rareté de la main-d'œuvre en région. Nous, on a déjà fait 2 petits pas là-dessus, c'est-à-dire qu'on augmente nos admissions de 20 %. C'est quand même beaucoup, 20 %, puis on est ouvert à augmenter ça encore. Puis on a changé des choses dans l'admission que les gens des régions sont un peu privilégiés pour essayer d'avoir des gens des régions qui puissent retourner dans les régions. C'est pas magique, parce que même si quelqu'un vient de la Côte-Nord, s'il a le malheur de se faire un conjoint montréalais, ça se peut qu'il ne retourne pas. Mais ça, c'est des enjeux régionaux, puis vous avez raison. Mais oui, les optométristes veulent participer, puis ça fait partie de l'enjeu aussi de la couverture. On comprend les gens qui disent, bien moi, si je vais à l'hôpital, c'est gratuit. Puis si je vais chez l'optométriste ou chez le physio ou autre, il faut que je paye. Alors, les optométristes, on a déjà une couverture partielle de ces actes-là, mais nous, on est d'accord avec ça. On veut participer plus. Bien, merci beaucoup. Puis si seulement M. Dubé avait mis priorité là-dessus, au lieu avec son projet de loi d'encore taper sur les médecins, je pense que ça aurait été un meilleur pas en avant. On espère encore. On participe aux travaux. Ouais. Je vais vous dire très rapidement aussi que je sais au Québec qu'il y a des collaborations privilégiées qui existent entre des médecins de famille et des optométristes. Oui. J'ai eu à constater tout ça là, quand j'étais au collège aussi. D'ailleurs, le guide qui a été développé avec des patients partenaires, justement, pour toute la question de la responsabilité. On a 4 intervenants, fait qu'on va essayer d'être le plus concis possible, puis du tac au tac, vous adresser votre question. Allez-y. Bonjour, Dominique Perron, la direction de l'accès et l'organisation de services de première ligne au ministère. Super intéressant de vous entendre, mais j'aimerais vous entendre. On parle beaucoup, vous avez fait votre clarification des rôles de tout le monde. Je pense que c'est super intéressant, c'est correct aussi, mais... Quand on parle de collaboration interprofessionnelle, c'est souvent au niveau des zones grises. J'aimerais ça vous entendre. Vous avez parlé, promotion de saines habitudes de vie en prévention. J'aimerais vous entendre comment vous gérez, parce qu'il y a d'autres types de professionnels aussi qui sont impliqués. On parle de pénurie, donc l'utilisation des professionnels à bon escient. J'aimerais ça vous entendre sur les fameuses gestions de zones grises au niveau des professions. Vas-y. Je vais vous laisser en premier. je vous donnerai juste un exemple. Moi, j'ai une de mes collègues qui travaille en soins à domicile et qui a géré beaucoup de cas. Une des exemples de gestion de zone grise, elle a le droit de faire une demande pour un lit d'hôpital à la domicile pour des patients en phase terminale de leur maladie pulmonaire obstructive chronique, mais elle n'a pas le droit de faire la demande de la surface. Mais une patiente qui est en phase terminale de sa maladie, souvent, c'est des patients qui sont rendus très faibles, qui ont la peau sur les os et qui sont à risque de plaies. Donc, ça prend une surface vraiment plus, excusez le terme anglais, smooth, pour les accueillir, tout ça. Bien, pour réussir à l'obtenir, elle doit faire toutes sortes de détours pour réussir à consulter un ergothérapeute qui va lui permettre d'avoir cette fameuse prescription-là. Ça fait que c'est le genre de petit, des fois, détour qu'on doit faire pour partager les zones grises. Sinon, si elle attend à la visite de l'ergothérapeute, probablement que la patiente va être décédée avant ça. Je dirais aussi que les zones grises, c'est souvent, tantôt on en a parlé, puis je l'ai vécu régulièrement, la méconnaissance. La méconnaissance de l'autre, ça nourrit les préjugés. Puis ça nous amène à poser des fois des gestes là, qui ne sont pas toujours heureux. Ça, je vous dirais en premier. L'autre chose qui a été intéressant, là, on l'a vécu avec différents guides, notamment avec les optométristes, on avait un petit comité de vigie justement pour ces zones grises-là avec un patient partenaire, avec des ophtalmologistes, des optométristes, puis rapidement, on réglait les situations puis on intervenait dans le milieu pour justement faire évoluer les pratiques. Puis je vous dis que l'implication des patients partenaires au Collège des médecins, dans plusieurs comités, ça a été vraiment très bénéfique parce que ça aide à faire tomber des résistances et à faire évoluer les pratiques beaucoup plus rapidement. Si je peux rajouter pour M. Perron, la méconnaissance amène également donc une sous-utilisation des ressources, ça c'est clair. Et je pense qu'en évoquant notamment la révision de l'organisation du travail
pour s'assurer de mettre les gens qui ont des compétences qui sont méconnues aux bons endroits, bien, ça pourrait favoriser justement une meilleure accessibilité ou de rendre des services, même pas juste en première ligne, mais aussi en deuxième et même troisième ligne. Donc, je pense qu'il y a un effort à considérer là, à cette, sur cet aspect. Moi, je rebondirai. Prochaine question, s'il vous plaît. Je peux-tu rebondir? Bien, vite. Vite. On parle beaucoup du carcan syndical, de ces choses-là, mais il y a le carcan aussi professionnel. Chacun a nos compétences, puis des fois, on se fait traiter de corporatiste, puis c'est vrai à certains points de vue. Alors, je reviens encore avec la marotte de mon DG, qui est devenue ma marotte, de cette agilité-là. Quand on a tout ce qui est dans le règlement, bien, un professionnel qui travaille n'a pas le choix de suivre ça. Souvent, ce qu'on veut, c'est d'avoir un règlement beaucoup plus large, que c'est des guides cliniques ou des lignes directrices qui disent qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Puis ça, bien, on est capable, disons, avec les physiothérapeutes ou avec d'autres, de s'asseoir et dire, bien, écoute, dans tel milieu, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Puis ça, on peut le changer au niveau des ordres professionnels. On n'a pas besoin d'aller faire rebelote le règlement. Ça, c'est des zones grises qu'on serait capable de traiter. Ça. Parfait. Prochaine question. On ira à la prochaine question, s'il vous plaît. Oui, André Fréchette, médecin de famille dans la région de Québec. Je ne sais pas s'il y a des... félicitations, puis merci d'abord pour les présentations. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler du projet Archimède qui avait eu lieu à Québec. Dr. Trudeau, je pense que vous l'avez peut-être entendu parler. C'est un projet que... je vais préciser tout de suite, parce que Archimède Québec, ce n'est pas un projet sur le troisième lien, mais c'est un projet sur la première ligne. Parce que je vais préciser, surtout de ce temps-ci. C'est un projet qu'on avait présenté au ministère, qu'on a mis en place en 2017, dans une clinique médicale, dans laquelle on a pu réunir des infirmières, des médecins, infirmières cliniciennes, praticiennes, nutritionnistes, physiothérapeutes, inhalothérapeutes, travailleuses sociales et aussi un autre professionnel qu'on oublie, bien d'autres fois, le kinésiologue. Ça nous a permis de prendre en charge en interdisciplinarité et j'en parle parce qu'en février, dans la presse, il y a eu les premières analyses après 5 ans sur le résultat, sur la prise en charge, la satisfaction et la rapidité pour les patients. Puis je vous incite à aller voir l'article, c'est vraiment intéressant. Ça démontre ce que vous dites, ce que dans les faits, c'est démontré. Un avantage qu'on avait, c'est que tous les professionnels, on était dans le même milieu. Il n'y a rien de mieux, parce qu'il y a beaucoup, c'est beau avoir des rencontres, mais il n'y a pas grand-chose qui bat les rencontres de corridor pour se connaître et être capable le lien de confiance qui peut se faire avec les autres professionnels. Et c'est vraiment, vraiment démontré. C'est une satisfaction de tout le monde qui ne veut pas partir d'un milieu comme ça. On a parlé des kinésiologues, mais il ne faut pas oublier non plus le personnel clérical. Il est très important parce qu'il fait le lien avec les patients, il fait le lien avec le personnel et les différents professionnels. C'est ça que je voulais partager. C'est vraiment un projet qui a démontré l'interdisciplinarité à son meilleur pour une clinique et qu'un milieu, comme une clinique médicale... Merveilleux. Qui décide de partir un projet, parce qu'on compte souvent sur les autres pour innover, mais on peut nous-mêmes innover dans nos milieux. Merci. Allez de l'avant. Vous venez de résumer en très peu de mots les ingrédients d'une collaboration interdisciplinaire réussie. Prochaine intervention. Bonjour, Roxane Campbell, je suis médecin de famille dans Montréal-Nord. Ma question s'adresse surtout par rapport à la nutrition. Je fais beaucoup de pédiatrie dans Montréal-Nord. J'ai beaucoup d'enfants qui souffrent d'obésité, d'anémie ferriprive due à la malnutrition. Et j'ai beaucoup de difficultés à obtenir des services en nutrition. Alors, quand je réfère un enfant qui a 4 ans, ça va parce qu'il rentre dans le programme 1 à 5 ans de petite enfance. Et quand je le réfère, puis il a 5 ans et 1 mois, bien, je me fais répondre en fait que c'est bien malheureux, mais il n'y a pas de nutritionniste sur tout le territoire du nord de l'île pour cette tranche d'âge. Alors, tu sais, ma question est la suivante. Comment est-ce que je peux référer en nutrition quand j'ai une famille de 5 enfants qui n'a pas les moyens de se payer la nutrition? Et qu'est-ce qui freine actuellement les nutritionnistes d'appliquer sur des postes pour pouvoir travailler en CLSC? J'imagine que c'est une question d'argent. Mais est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça? Parce que c'est évidemment préoccupant. J'aimerais travailler avec des nutritionnistes, mais je suis incapable. Oui, vas-y, Joël. Je s'entends à 100 %, puis évidemment que c'est une situation qui est connue puis qui nous préoccupe énormément. Il y a un autre aussi moment charnière là, où est-ce qu'on a un enjeu, c'est quand les enfants qui sont suivis à Sainte-Justine, puis là, momentanément, à 18 ans, oups, il n'y a pas de prise en charge ou il n'y a pas de transfert, tu sais, à l'âge adulte.
Évidemment que pour nous, il y a une grande, grande part de ça qui passe par les ratios d'effectifs. Les postes non comblés ou qui ne sont pas comblés pour une longue période de temps, selon les statistiques qu'on a, il n'y en a pas tant. Mais il y a une grande mouvance là, au niveau des effectifs, dans le fond, c'est surtout des gens qui changent de place versus des gens qui s'additionnent. On a plusieurs façons d'intervenir avec ça. La première, c'est de militer pour une plus grande place puis un plus grand ratio d'effectifs. Puis à cet effet-là, je vous invite à continuer à référer parce qu'on parlait de statistiques tantôt, puis c'est débattable là, si les statistiques qui sont colligées sont vraiment une bonne représentation de la réalité pour permettre des décisions qui ont du bon sens puis qui sont pertinentes, tu sais, en termes de ratio d'effectifs. Ça, c'est un cheval de bataille qu'on essaie d'adresser. Mais je pense que c'est le rôle des équipes soignantes de continuer de référer en nutrition pour qu'on soit capable de démontrer qu'il y a un manque d'effectifs puis qu'on soit capable de mettre des gens en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où est-ce qu'on essaie de jouer, c'est de créer un plus grand nombre de diplômés, particulièrement en région. On parlait des régions tantôt. Là, Montréal-Nord, c'est pas en région, mais on sait que Montréal-Nord peut être très, très, très isolé. Aussi, là, en termes de soins puis de nombre d'effectifs, c'est bien démontré qu'il y a un plus petit nombre à Montréal-Nord qu'ailleurs. Donc ça, c'est un autre des aspects qu'on veut adresser, là, c'est d'augmenter le nombre de diplômés, entre autres en encourageant la création de nouveaux programmes en nutrition à d'autres universités du Québec. L'autre aspect, puis ça, je pense que c'est transdisciplinaire, ça s'applique à tout le monde, mais c'est de continuer de former nos professionnels par rapport, puis les sensibiliser par rapport à l'équité, la diversité puis l'inclusion. Puis ça inclut, il y a une plus grande part de soins, je pense, à Montréal-Nord, les soins, ils sont importants et pertinents, et ils ont une particularité, et ça, nos professionnels doivent le savoir, qu'ils ont une plus-value à jouer à ce niveau-là dans votre secteur. Donc, ce que je comprends, c'est que les postes ne sont pas vacants, mais il n'y en a pas beaucoup. Exact. Donc, on devrait en avoir plus. OK, ça répond à mes questions. Merci. Merci d'avoir... Mais continuer de référer, c'est une bonne idée. Merci d'avoir exprimé votre désir d'avoir des diététistes nutritionnistes. Oui. Il y avait une autre question? Oui. Je pensais qu'on manquait de temps. Merci. Je suis Martine Gosselin de l'Ordre des Posières du Québec. Peut-être juste baisser le micro un petit peu pour qu'on vous entende, oui. Oui, mon dos du haut de mon 5 pieds 2, désolée. Vous avez beaucoup... On parlait d'interdisciplinarité. Faites juste vos renommées pour que tout le monde... Martine Gosselin de l'Ordre des Podiales du Québec. Vous parlez d'interdisciplinarité, c'est merveilleux, c'est ce qu'on veut, c'est ce de quoi on parle depuis de nombreuses années. Je remarque beaucoup, tout le monde ici, ce sont des professionnels très connus qui œuvrent dans le milieu public principalement, mais aussi du niveau privé également. Je pense qu'il manque peut-être une vision de regarder un peu plus à l'extérieur au niveau des professionnels qui sont peut-être au niveau strictement privé et qu'on ne connaît pas. Parce que ça peut avoir aussi un apport important pour décharger le système public. Malheureusement, le problème, comme Éric mentionnait, puis qu'on mentionne en nutrition également, c'est que les patients n'ont pas le moyen de se payer les soins de mon côté d'un podiatre. C'est strictement privé, il n'y a aucun soin qui sont payés par la RAMQ. Et là, il manque le financement. Mais ce qui fait qu'une grosse partie de la population qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas des soins optimaux, alors qu'un podiatre œuvre dans plusieurs spécialités. Donc, on parle de dermato, rhumato, vasculaire, également de la chirurgie. Donc, un podiatre pourrait débloquer du temps opératoire pour les chirurgiens orthopédistes qui, on le sait, n'ont pas de temps. Je pense que c'est important d'avoir une vision peut-être plus large et, comme vous disiez tantôt, de se laisser surprendre parce qu'on ne connaît pas, puis d'éviter peut-être un groupthink, là, d'aller juste du côté où on connaît, puis de rester à l'intérieur du système qu'on connaît, puisqu'il y a d'autres professionnels. Puis on parlait tantôt aussi, le médecin de famille qui disait qu'il y a des kinésiologues qui peuvent entrer dans nos équipes. Également, ça fait partie, je pense, d'une solution plus globale, puis à long terme, va être payante, puis il faut avoir ces ressources-là, puis les intégrer. Parce que sinon, il y a des patients qui vont toujours être laissés pour compte à la fin de la journée. Là. Bien, merci pour votre intervention. On va conclure avec des interventions rapides de nos différents panélistes. Je voulais vous dire aussi que depuis que j'ai quitté le collège en 2021, je fais de l'accompagnement dans le réseau du mentor. Excuse-moi, on a une dernière question. Ah, je m'excuse. Bien, vas-y. Bien, je voulais parler des kinésiologues, justement. Allez-y. Bien, merci. Puis merci à ceux et celles. Là, je connais très bien le projet Archimède. Valérie Lucia, directrice générale de la Fédération des kinésiologues du Québec. Super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez dit des mots-clés qui nous parlent beaucoup. Méconnaissance, faire tomber les barrières, alléger
les lois, les règlements. Si j'ai un souhait pour le gouvernement, c'est quand on parle d'élargissement de pratiques professionnelles, qu'on n'oublie pas les kinésiologues, mais surtout les autres professionnels de la santé qui sont compétents, mais qui n'ont pas la chance encore d'avoir un autre professionnel, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui là, sur le panel. Alors, au bénéfice des patients, de faire en sorte que tous ces professionnels-là soient intégrés et mieux compris et bien connus. Merci de votre intervention, c'est très apprécié. Je vais faire du pouce là-dessus. Comme je disais, j'ai quitté le collège en 2021. Je fais de l'accompagnement, j'ai la chance de faire du mentorat dans le réseau de la santé. Mais je me suis fait aussi prendre au piège avec la coordination d'une docu-bande dessinée qui nous présente 30 professions, autant qui sont d'ordre professionnel que les kinésiologues qui n'ont pas d'ordre professionnel. Ça vous permet de mieux les connaître, mieux les reconnaître. On est au kiosque 712. Vous pouvez venir nous voir si vous voulez mieux connaître puis vous laisser surprendre par toutes les professions. Ils ont toutes une petite phrase accrocheuse, puis je vais la présenter au fur et à mesure que je présente mes panélistes pour leur demander en un mot ou une phrase de dire bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous reteniez de leurs interventions aujourd'hui. Donc, on commence avec les physiothérapeutes, des héros avec lesquels vous êtes entre bonnes mains. Alors, physiothérapeute et technologue en physiothérapie, bien sûr. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites à très court terme, rapidement, pour accroître l'accès à la première ligne. J'ai nommé des secteurs d'activité. Ne pas oublier, j'apprécie également là, les gens qui ont fait des interventions, les gens qui appartiennent pas à un ordre professionnel, mais qui sont importants dans le travail interdisciplinaire. On est dans la discipline et non pas dans les professions en tant que telles. Il y a un espace là, il y a de la place pour beaucoup, beaucoup de monde et on est capable de travailler en collaboration avec tout le monde dans la mesure où on a en le focus, le patient au centre de nos décisions, au centre de nos interventions, de nos actions pour la qualité et la protection du public. Moi, j'en suis. Diététiste, nutritionniste, des héros qui vous redonnent de l'énergie. Ça dit pas des héros qui vaccinent Christian Dubé? Non, c'est pas ça. Rapidement. Oui. Pour moi, c'est bien clair qu'il y a un désir de travailler ensemble. Il y a un désir de mettre le patient au cœur de nos interventions, de tout le monde, tu sais, des professionnels de la santé. Puis que la méconnaissance des autres, c'est vraiment un des facteurs là, qui empêche cette fluidité-là là, où on a un grand potentiel d'amélioration. Fait que je nous invite à aller l'un vers l'autre, d'avoir le courage d'aller un vers l'autre, puis d'avoir la confiance, tu sais, d'un peu abandonner un peu les chasses gardées, puis d'avoir la confiance que notre profession, on la connaît bien, on est des experts, avoir la confiance que les autres professionnels reconnaissent ça de part et d'autre, là, tu sais, que ce travail-là se fait de part et d'autre, puis de vraiment apprendre à mieux se connaître pour mieux se positionner, puis être que ce soit plus fluide pour l'expérience patient. Donc. Merci. Les inhalothérapeutes, des héros qui sauvent des vies, une inspiration à la fois. Moi, ça va être court, vraiment, c'est s'ouvrir à l'autre, ne pas avoir peur de l'autre, et aussi, aidez-nous à vous aider. Communiquons, puis c'est de même qu'on va réussir à développer davantage d'accessibilité aux soins. Éric, des optométristes, des héros qui ont votre vision à l'œil. Moi, je veux dire, au lieu de dire la même chose que les autres en d'autres mots, je vais le dire avec une image, je peux savoir ça. Quand on parle du système actuellement, que la porte d'entrée, c'est le médecin de famille ou l'hôpital, puis qu'on dit que ça ne fonctionne pas, bien, c'est un peu l'image que j'ai en tête, c'est-à-dire qu'on a beau essayer d'aider la guérite, là, d'essayer de la rendre la plus fonctionnelle possible, s'il y a trop de monde, il y a trop de monde, il faut essayer de jouer en amont, c'est-à-dire qu'il y ait moins de monde sur l'autoroute. Ça veut dire des professionnels qui sont capables de faire plus, qui soient capables de faire plus, pour essayer d'atténuer les gens qui doivent se rendre à l'hôpital ou chez les médecins. Fait que c'est l'image, c'est mon take-home message. Écoutez, je voulais vous remercier. Ça a été agréable de vous animer. Merci beaucoup pour votre présence. Et bon dîner. Si vous voulez voir notre BD, on est au kiosque 712. Prends notre photo. Oui, c'est bon. Photo. Ben, on pourrait.